So doing okay, right? This is Teacher List English Time, once afresh, once again, once more, in your house, Teacher List English Time. This is your favorite English broadcast in Haiti for the time being, and of course, the spoken English reference on YouTube. So I don't have to say only Haiti, just only Haiti. Hello Haiti, hello world. So I'm also teaching English to the world. So everybody's interested in English. So this is your favorite English program for the time being, because it's trilingual. Of course, you do speak Creole, you do speak French, you do speak English. This is your English, your favorite English class. And at the same time, you'll also learn from Teacher List. You'll also learn from Teacher List English Time. You'll also learn a lot of French. You'll also learn about French, of course. And if your Creole is not okay, you'll also learn about Creole. So once afresh, welcome to Teacher List English Time, your favorite English broadcast, your favorite English show on Channel 2. So this is Channel 2 Storm TV. At the same time, Channel 2 Storm TV and 106.5 Radio Storm, your favorite radio station in Haiti, of course. So welcome, welcome in caps. Teacher List English Time, une fois de plus, bonsoir tout le monde, moun ki pa l'anglais. Ko sa arrive loin, en pile. Pour haïtien qui, normalement, poko pa l'anglais, kap vive nan pays anglophone yo, ki poko pa l'anglais, eh bien, ça très, très, très bon pour vous. Ça pas l'autre bois longtemps. Et ça l'autre bois longtemps, tout dépendamment de côté l'autre bois. Aux États-Unis, il y a Canada, il y a quel que soit côté Bahamas, quel que soit côté, eh bien, dépendamment de côté, ou il y a 10, 15 ans, 20 ans, et pour pas parler anglais. Il y a un peu de monde qui a fait discussion, puis qui a demandé, est-ce que, un peu de fois, deux monde, trois monde a fait discussion, groupe de monde a fait discussion, puis il y a un téléphone, parfois tout. C'est en face moi, et puis il m'a dit, est-ce que c'est possible, la plus fois discussion en fait, est-ce que c'est possible pour un monde gagner 10, 15, 20 ans dans un pays anglophone et puis le papa d'anglais? Oui, c'est possible encore. Et même Jean Matin, nous avons fait une discussion, nous comprenons, c'est pas dispute, et avec madame moi, et puis nous avons dit le côté que nous avons dit, ou bien doit traducteur ou bien doit interprète, il dit est-ce que c'est possible pour mon interprète ou traducteur ou interpréter pour étranger, pour américain par exemple, et puis ou papa d'anglais, il dit oui, c'est possible, parce que si par exemple ou habitué à ou habitué tant des américains ou habitué avec en pile, si on a ou dans entourage et ou attendé en pile, donc c'est sûr que ou habitué accent yo, ou habitué à moi, ou qui ne doit pas même parler anglais, et pour qu'il interprète pour eux. Donc, si tout le temps, t'as des mots habitués avec elle, donc, il est possible. En pile, monde, en pile, interprète, traducteur, pas parler anglais. Oui, il est possible. Donc, mais, nous-mêmes, nous parlons ça. Donc, sous qu'attendez, faut qu'à parler tout. Donc, nous-mêmes, nous gagnons remède dans Teacher List English Time, nous gagnons remède pour oreilles, nous gagnons remède pour bouche, hein. Nous gagnons remède pour yeux tout, parce que normalement, faut qu'à lire anglais, hein. Nous gagnons remède pour main en tout, faut qu'à écrit. Donc, nous-mêmes, nous mettons plus accent sur la prononciation, hein, le langage, hein, les techniques d'expression orale, c'est sur ça nous mettons plus accent, dans langue anglaise, avec oreilles. Mais c'est sûr que depuis qu'il y a problème oreilles, ou qu'il y a problème prononciation. Ça, c'est normal, ça c'est très compréhensible. Des pour gain problème oreilles ou pas tendez bien, j'ai encore dit en listening, des pour gain problème listening, you have listening problems, automatically also have pronunciation problems, of course. So comme d'habitude, nous parler bon penser pour aujourd'hui. Today's empty, so you're gonna have today's empty. It's very short, very very short. Et today's empty, pensez jeudi à nous joindre dans 1 Thessalonicien, dans chapitre 5, et puis le verset 16. Qu'est-ce qu'il dit? En anglais, il dit, nous gagnons, Noël, c'est sûr que Noël, nous gagnons, c'est rejoice always, deux grands mots. Il écrit R-E-J-O-I-C-E. R-E-J-O-I-C-E. Rejoice. Et puis, always, ça s'écrit A-L-W-A-Y-S. Always, A-L-W-A-Y-S. Rejoice
always, rejoice, always, rejoice, always, rejoice, always. So repeat it after me, please. Repeat today's empty after me. Rejoice, always, rejoice, rejoice, always. Ça signifie soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Et puis la référence biblique qui va nous gêner, non? 1 Thessalonians chapter 5, verse 16. Nous gênons dans 1 Thessalonians chapter 5, verse 16. 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 16. Dans le Nouveau Testament, nous jouons MT jeudi, la pensée morale pour aujourd'hui, normalement, se trouve dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 16. En anglais, on dit 1 Thessalonians, chapter 5, verse 16. Eh bien, qu'est-ce qu'il dit? Il dit rejoice only. Rejoice only. Rejoice, I'm sorry. Rejoice always. Rejoice always. Donc, c'est ça, il dit. En français, ça signifie soyez toujours joyeux. Donc, ça, qui ça nous t'a aimé? Nous t'a aimé nous comprendre, ça, ça veut dire, Léo dit, le passage a dit soyez toujours joyeux. Ça, ça veut dire. Ça va vous dire pour marcher en riant. J'ai envie de dire. Pour marcher en riant. Et pas ça veut dire. Mais qui ça veut dire tout simplement? Faut nous bien comprendre. C'est ça que fait la Bible. C'est. Ou pas qu'à comprendre la Bible avec propre intelligence. Ou pas d'intelligence dans la Bible. Pas gain ça. Donc, la Bible a deux contextes. Nous t'ai dit ça déjà. Il y a deux contextes. Il y a deux aspects. Il y a deux sens différents. Il y a deux aspects. Il y a un aspect, il y a logos, il y a le rema. Logos, ça, si Bible en français, eh bien, à cause qu'on parle français, bien, on comprend français, eh bien, on comprend ça qui est écrit. Et rema, c'est ça qui est caché derrière là. Donc, c'est parabole là. Ça veut dire, généralement, la Bible est parabolique, la Bible est symbolique. Ça veut dire, pour comprendre la Bible, son seul monde qui a fait comprendre, c'est lui qui écrit Bible là. Saint-Esprit. C'est ça qui fait avant de lire la Bible, de pour songer ça. Toujours dit Saint-Esprit, fais-moi comprendre parole. On parle lire parole, fais-moi comprendre. Bon, toute révélation qui gagne, on seul passage capable de gagner pour 10, 15, 20 révélations là-dedans. Donc, révélation, pas comprendre pourquoi. Saint-Esprit seulement pour faire comprendre. Maintenant, François parle à la Bible en français, ou bien créole parle à la Bible en créole, ou bien anglo parle à la Bible en anglais. Là, faut comprendre l'aspect que le logos là. Mais, Rema, attention. C'est ça que fait, moi, pas qu'on fort dans la Bible. Donc, moi-même, moi, lis la Bible de Genèse, premier livre là, jusqu'à Apocalypse, dernier livre là. Pourtant, chaque jour régulièrement, moi, lis la Bible, c'est comme si je j'aime lire. Donc, ça veut dire, ça est très simple. C'est Saint-Esprit seulement, il écrit la Bible là, c'est lui pour faire comprendre la Bible là. Bon. Ok, donc, pensez-moi là, Today's Empty, c'était quoi? C'est, Today's Empty, c'est qui ça? C'est Rejoice Always. En français, soyez toujours en joie. Ça veut dire, même le, quel que soit ça qui passe là. Ça pas veut dire pour faire 24 sur 24, pour dans dehors, pour après. Et non, c'est pas ça, veut dire. Soyez toujours joyeux avec dit qui ça. Ça veut dire, la Bible dit quelque part, n'a ça comme pensée. Il dit, normalement, le juste vivra par la foi. Hein? Et puis, bon, l'autre passage, il dit encore, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ça veut dire, quel que soit mal écrit, voilà, quel que soit problème, non, et bien, depuis ces petits bon Dieu observent, ça veut dire, chaque coup pense à elle, et bien, on va bien t'en connaître, c'est pas erreur lui-même ni fait, c'est pas erreur, il pas fait erreur. Donc ça le fait à grand raison que fait le fait. Donc c'est ça que fait ou pas doué battre tout problème. Même l'autre gen moun ki piche ou même nan mouri, c'est tout ou j'ai qu'on dit bon manger tout pas net et puis il mouri grand raison. Donc l'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le juge du malheur. Ouais, ça veut dire bon Dieu pas grand pas qu'on fait erreur, quel que soit ça que fait là, quel que soit ça le fait grand raison et puis c'est volonté le tout. L'observer bon Dieu, il faut mettre ça dans tête. Tout ça que fait dans la vous, c'est volonté bon Dieu. S'il pas avait un café pour celui omnipotent. Ok, donc maintenant, on a démarré le programme jeudi. Et rapidement, on a démarré avec le programme jeudi qui c'est Where Do You Live?
Where do you live signifie normalement où habitez-vous. Nous t'ai commencé avec déjà, nous t'ai pour mettre nous sommes dit nous n'a continuer avec jeudi a. Rapidement n'a font révision, mais juste avant nous faire révision, eh bien nous prendre pause pub, n'a prendre pause pub et puis qu'on y a là tout de suite après pause n'a commencer avec programme, n'a démarrer, n'a continuer avec where do you live, qui c'est qui ça, c'est la question. Eh bien rapidement nous t'ai semaine dernière après posa n'a commencé directement, donc n'a fait n'a tout font révision avant posa. Et c'est qui ça exactement, semaine dernière nous t'ai prononciation, la prononciation du terme live qui c'est qui normalement qui c'est live, il prononce live, elle signifie habiter demeurer, et puis il prononce live, elle signifie en direct. Et puis ça nous t'ai encore l'a utilisé, la question c'est where do you live, ça signifie où habitez-vous, qui vous habitez. Nous t'ai normalement, il y a trois types d'adresses en anglais. C'est ça, noté, ouais. Il y a trois types d'adresses en anglais. Trois types d'adresses, ça, c'est une complète, deux incomplètes. Complète là, c'est préposition at ou utiliser pour lui. Alors, utiliser préposition at. Après at, ou bien numéro Kaila, un pass, rue, zone, ville, commune. Et puis, noté, ça, c'est premier type d'adresse en anglais que vous avez avec la préposition at. Deuxième type d'adresse, ça, c'est on. On en lui-même, c'est avec. Oui, seulement. Alors, by non, oui, ou utiliser on. Et troisième type d'adresse, c'est avec in, in. Donc, avec in, maintenant, on donne le nom de la zone, la ville, la commune, la région, etc. Le département, etc., etc. Donc, c'est pays, etc. Donc, c'est ça, en gros, notre semaine dernière, prononciation L-I-V-E, c'est live, laissez-y faire habiter. Et puis, prononcer live, laissez-y faire en direct. Par exemple, on peut dire, this is a live show, this is a live show, this is a live show, this is a live broadcast. Donc, ça, c'est une émission en direct. Donc, live signifie en direct. Pourtant, to live, L-I-V-E, to live signifie habiter, demeurer, comme verbe, il prononce live, to live signifie habiter, demeurer. Donc, to live, à l'infinitif présent, ça signifie habiter demeurer. Exemple, I live in Port-au-Prince, I live in Delma, I live in Port-au-Prince, I live in Delma, I live in Haiti, sous notre autre pays. Hein? Et puis, adresse complète, c'est I live, par exemple, I live at number 6, I live at number 6, Avenue Martin Luther King, Delma 28B, Delma, a few steps from the viaduct of the airport intersection, just a few steps from the airport intersection, so across from the branch of DGCL. So, ça c'est programme semaine dernière, c'est ça noté dans le programme nous, semaine dernière, et l'adresse en anglais. Et puis, jeudi, on a fini avec, et tout de suite après là, après pause pub là, nous parlons, normalement, nous avons at, trois types d'adresses, et puis jeudi, nous parlons continuer avec adresse pour nous terminer. Ça veut dire, généralement, comme on dit habiter demeurer, c'est tout live, et puis nous parlons ou comme si l'eau ou l'eau j'en côté, ou bien j'en côté, temporairement, hein, ou pas en permanence, temporairement, de passage, d'un coup, soit non mission quelconque, hein, ou à non mission en tant que, bah, qu'on est pasteur évangéliste quelconque, ou bien un chrétien militant, ou aller, et puis, ou de passage pendant que, bah, quelques, on dit quelques semaines, quelques, on dit, ok, pas prudence, on dit, quelques semaines de préférence. Quelques semaines, un mois, etc. Donc, là, ça, qui verbe ou qu'employé? Est-ce que c'est I live, vous dit? Non, mais qui verbe qui approprié? Si vous descendez dans l'hôtel, qui verbe pour approprié? Ok? Donc, et si vous habitez dans le quartier, quand vous habitez là, et puis c'est l'autre fête. Soit fête dans le quartier ou bien dans la zone. Comme on a dit, habitez ça. Qui verbe pour employer? Et bien, tout de suite après pause pub là, nous parlons de ça. Tout de suite après nous parlons de ça, nous observons on pose pub. So, please don't move, stay tuned and I'll see you back. We'll be together just after the spot, after the commercial, right? Tout pays d'Haïti t'a demandé quoi Teacher Lesti passé. Eh bien, Teacher Lesti, professeur anglais PIA, docteur Panouan is back pour la plus belle. Pour venir mettre précision sur tout le monde, quel que soit niveau anglais. Are you sure, Mazura? Yes, sir. Tout le monde brèche Teacher Lesti English Time sur Storm TV, chaîne de chaque mardi et jeudi, 3h, 4h après-midi. Même Jean Blanc qu'on fait l'autre bord avec sur Internet là. Très pratique pour tout le monde qui besoin qu'on parle anglais très bien avec 7 aspects: usuel, technique, commercial, biblique et théologie. Et puis, pas oublier anglais américain avec britannique, oui, en pointisson. Teach.
speak to the world. No sweat on our bag of the world for English, for sure, and the world for the world, for will and sure, and for good. Mes amis, pas qui fait là, non, André les titres, non. 34-99-70-70. Titre Olesi, c'est seul professeur anglais. L'État, il s'était médaillé en or et en argent à toute l'école. OEA pendant l'Archive nationale d'Haïti, t'as fait en 2012. Et c'est l'ICO original là. You know what I'm saying, baby? OEA, Holistic English Academy, la référence de l'anglais parlé en Haïti. Niveau d'anglais national et international, doté de la méthode d'anglais américain et britannique la plus pratique pour commencer à parler anglais dès le tout premier jour de classe. Vous voulez devenir maître de cérémonie, animateur et présentateur de radio-télé, publiciste et publicitaire, phonéticien et phonologue, professeur d'anglais à tous les niveaux, interprète et traducteur, sélectionné au OEA. La sélection la plus intelligente du moment et pour toujours, dirigée par Teach Olesti, docteur en phonétique anglaise qui se passe de présentation en Haïti. Dans OEA, Teach Olesti pas prend blanc pour parler anglais pour lui. C'est lui blanc tête lui. Parce que le connaît un directeur à l'école anglaise, doit être capable de parler et enseigner anglais correctement. Teach Olesti trompe même blanc américain dans la langue anglaise qui c'est propre langue. On font titan d'elle pour nous si c'est menti. Teach, prove it. I'm sorry, ma'am. Prove the Haitian population what I'm saying, please. No problem. Oh yeah, Olesti English Academy is a spoken English reference in Haiti. Number 40 Avenue, Martin Luther King, Delma, 28B Delma, at a few steps from the viaduct of the Upper Crossroads, and I'm on the wrong side of teaching English 20 experience for well, and guarantee speak English your money back. Il dit, pas de problème. OEA, c'est référence anglais parlé en Haïti, qui chita quoi, le numéro 4, Avenue Martin Luther King, Delma 28B, tout près où t'en l'a dans Kafoua ou quoi. Et il dit, il y a plus que 20 ans depuis l'a enseigné anglais et garanti li bay dans OEA. Depuis ou pas parler anglais, la promet tout tout comme ou te bay là, hein, tout comme déplacement ou. Contact 34-99-70-70. Tout pays d'Haïti t'a demandé quoi Teach Olesti passé. Eh bien, Teach Olesti, professeur anglais PIA, docteur Panouan is back pour la plus belle. Pour venir mettre précision sur tout le monde, quel que soit niveau anglais. Are you sure, Mazoua? Yes, sir. Tout le monde, branchez Teach Olesti English Time sur Storm TV, chaîne de chaque mardi et jeudi, 3h, 4h après-midi. Même Jean Blanc qu'on fait l'autre bord avec sur Internet là. Très pratique pour tout le monde qui besoin qu'on parle anglais très bien avec 7 aspects: usuel, technique, commercial, biblique et théologie. Et puis, pas oublier anglais américain et britannique, oui, en pontisson. Teach, speak to the world. No sweat on our bag of the world for English, for sure, and the world for the world, for will and sure, and for good. Mes amis, pas de fake là, non? André les titres, non. 34, 99, 70. We're back. Thank you for staying tuned. Donc, félicitations d'être resté branché. Merci d'être resté branché. Congratulations. So, j'ai noté dit là, noté pour mettre l'IA. Nous retournons, nous continuons avec adresse là. Where do you live? Donc, ça c'est, this is lesson 6. So, today's lesson is 6. Lesson 6. This is lesson 6 we're doing right now. So, gen moun Gabriel, fonti patience. Talon na prele nan 34, 99, 70, 70 ou bien 42, 99, 06, 76. Talon na prele dadan, fonti tan. An fini a sa, na fin adres la. Donc, where do you live? Trois types d'adres. At, yon complète. De incomplète, at, pour l'adresse complète. On, pour l'adresse incomplète. La rue seulement, in, zone ville, alors incomplète également. Et puis, in, non, utilisé avec zone, ville, pays, commune, région, département, pays, etc. État, province, etc. Notez-vous ça. Donc maintenant, qu'on y a là, ça notez-vous. Généralement, le terme universel, rhétoricien, ça veut dire yon moun qui maîtrise la langue. Linguiste, rhétoricien. Donc, non, en oratoire, il n'est pas recommandé pour normalement, quelqu'un qui se connaît normalement en langue, par aimer expression universelle. Expression universelle pas faite pour professionnel dans la langue, à dire pour linguiste, rhétoricien, bon rhétoricien. Donc, monde qui fait rhétorique,
c'est pas la classe, on va parler de classe, donc la rhétorique, c'est là qui enseigne les règles du bien dire. Donc moun normalement qui fait bon rhétorique et moun ça par aimer universel, il pas recommandé pour utiliser expression universelle. Tant que par exemple indiou, moi même pas jamais dit indiou, même pas songe qui année je parle l'anglais depuis à l'âge de disons 14 ans, on commence en anglais à l'âge de 14 ans. Donc pas songe, même pas même songe qu'il aime dernière fois me dit end dans vie pas parce que c'est bon bah moi même du tout. Depuis l'aime t'apprendre ça moi même m'a cherché luxe. Donc m'a cherché perfection, m'a utiliser end you. M'a jamais dit end you, l'aime pas l'anglais du tout m'a dit end you. Donc plein façon qu'a dit ou qu'a demandé ou qu'a retourner mon question sans qu'on pas dit end you. M'a jamais dit bah comme ça. Comprendre? Donc ça dépend. Et ben c'est même genre parce que son expression qui est universelle liée. Donc et c'est ça que fait généralement ou bien on dit principalement il y a deux types de langage, il y a le langage professionnel, ça c'est pour les professeurs, il y a le langage également courant, ça c'est pour les étudiants, hein, moins capable prendre that's for the sake of the learners of English. Donc un professeur par exemple, il y a un langage parle, hein, professeur il y a un langage parle. Donc un professeur par exemple, pas ta supposé abdi indio. Non. On peut pas ta supposé abdi indio. Donc, dépendamment de niveau, parce que si on peut chercher qui, un par exemple, on peut chercher qui est dans niveau maîtrise de doctorat en anglais, on peut pas dire indio, on peut pas l'anglais. Pas du tout, on peut pas dire ça. Indio, pas pour même. On peut pas dire indio. Plein façon qu'a dit, alors, indio, on gagne l'autre façon qu'a dit, bon pas même qu'on qui valait on infinité de façon capable dit retournons mon question pour dire toi et vous hein, et ou même en créole sans qu'on pas dit and you. Bon, si qu'on y a là généralement l'ob dit habiter de me ou dit live quel que soit contexte soit qu'a dit live parce que son terme qui est universel, son verbe qui est universel, mais normalement sous ou son bon linguiste ou son bon rhétoricien ou pas ta supposé utiliser live dans tout côté à parler. Non. Gain parfois faut utiliser live. Gain parfois on peut utiliser inhabit. Gain parfois on peut utiliser to reside. Reside, R E S I D E. Gain parfois toi peut utiliser dwell. D W E L L. Yeah. Par exemple, si vous faites dans quartier et puis c'est là-dedans ou habiter là-dedans. Ou faites dans quartier ou grandir là-dedans, toujours habiter là-dedans. Eh bien, si vous dit adresse ou pas besoin de dire I live, vous dit I dwell. I dwell. Ça s'écrit D W E L L. D étant qu'on gagne well et vous mettez D devant colavel. Ça D W E L L, ça se prononce dwell. Donc là, on dit ça si m'a prend exemple adresse OEA qui c'est numéro 6 avenue Martin Luther King, Delma 28 B Delma, hein, à quelques pas du viaduc du carrefour de l'aéroport. Et bien qu'on y a qui ça m'a dit I dwell, hein, si n'a pas exemple là comme ça un monde qui fête dans OEA qui grandit dans OEA qui toujours habité dans OEA, et bien là bas dessus là dit I dwell at number 6 avenue Martin Luther King Delma 28 B Delma. Ça c'est si ou fête dans quartier grandit là-dedans. Et si qu'on y a là ou de passage tant que j'en te dis ou son missionnaire et puis ou fait travail l'Éternel là et puis ou ils vont côté ou aller ou fait travail bon Dieu l'Éternel vont côté pour prêcher parole à l'évangéliser à l'annoncer bonne nouvelle là. Et bien là ça soit ba ou parler mon ba des soit parler gavel qui soit dit là ça ou dit I reside, l'écrit R E S I D E, I reside at number 6 avenue Martin Luther King Delma 28 B Delma, a few steps from the viaduct of the airport intersection. Donc c'est ça. Sim de passage en missionnaire, ça m'a dit I reside at number ta-da-da-da-da-da, etc. Donc si vous habitez dans quartier côté vous faites la cellule là, vous habitez ou toujours habitez I dwell. Et I live dans l'universel dans tout contexte qu'on a utilisé. Donc mal en côté, m'habiter dans quartier, me fait que venir habiter ou bien c'est pas la me fait, c'est pas la me grandi, I live, L I V E. I live at number 6 avenue Martin Luther King Delma 28 B Delma. Donc c'est ça notre abus tout à l'heure. Ensuite, bien ça relait tout adresse électronique, il relait ça email. Donc la prononciation ou quand dit email, il y a mon qui connait dit qui ça bon email ou bien email, les deux, tous les deux bon. Parce que AI en anglais prononcé e e, c'est en français gen côté ou pas ka dit e ou pas ka dit e, gen côté pour dit e, gen côté pour dit e, mais pas gen tout ça en anglais AI prononcé e, il prononcé e. OK. Il prononcé e, il prononcé e. Par exemple, on dit email, on dit email. Le prétérit du verbe, le prétérit est le participe passé du verbe to say, qui c'est dire
Ah ben au capable dit Said ou ca dit Said tout S A I D ça se prononce Said ça se prononce Said. OK mais a il y a plus alors le son R les plus académique les plus soutenu donc R plus bon. Et dans non sens mais tous les deux bon pas gain problème. Mais R me préfère. Moi même c'est R toujours m'appliquer. Donc les experts américains, the American experts, the American specialists et bien yo même yo utiliser R. C'est même genre ou dit I say S I Y mais là il vient dans troisième personne là he says pas dit he says ou dit he says et tant qu'on prend en français là dit he says he says donc c'est comme ça pour prononcer c'est meilleure prononciation hein même sous dans les 50 000 ça c'est meilleur says elle dit il dit c'est he says il dit she says elle dit OK donc AI ou qu'a dit email là dit email comment écrit c'est e trait d'union m a i l donc i ça li c'est diminutif de electronic ça signifie là dit electronic mail c'est adresse ou bien courrier électronique donc ça veut dire qu'on y a là soit ba adresse électronique en anglais et bien ou a dit mon nom par exemple join me at et pour ba adresse join me at et pour ba adresse teacherlessy@gmail.com ouais donc à commercial là en anglais on dit at à commercial là c'est at ouais donc c'est join me par exemple join me ou bien contact me ou bien get in touch with me at teacherlessy@gmail.com donc pour courrier électronique ou employé préposition at parce que il sûr et li adresse à li électronique mais li complète donc c'est at pas ni on ni in non adresse électronique site internet comment dire adresse électronique c'est email et bien site internet comment dire ça c'est website et signifie site internet bon maintenant comment dire ça alors c'est website qui signifie site internet là et bien lui même tout c'est la préposition at parce que il sûr il y a besoin nous l'icon adresse à complète il électronique mais complète donc so check that at www.teacherlessy.com www.olestyenglishacademy.com donc c'est at donc nous finis adresse ça pour courrier site internet adresse électronique c'est at adresse complète réelle là concrète là c'est at number 6 Avenue Martin Luther King Delma 28B Delma. Et puis quand on donne la rue seulement, on emploie la préposition on. I live on Avenue Martin Luther King. Maintenant, use in with the zone, area, the commune, the country, the province, the countryside, and the country, or the state. I live in New York. I live in Manhattan. I live in Pennsylvania. I live in Boston. I live in Florida. I live in Miami. Okay? So my sister lives in Miami. Okay, so please, you may get in touch with me at www.olestyenglishacademy.com. You want to get in touch with me? No problem. So you may join me at teacholesty@gmail.com. Okay, I have a friend who lives in Canada. I have a friend who lives in Canada because Canada is a country. I have a friend who lives in Canada, but I have a she cousin who lives in United States. I have a she cousin who lives in America. I have a she cousin who lives in the United States of America. Okay. I have an aunt. Be careful because aunt is the American accent, the American pronunciation, and aunt is the British pronunciation. I have an aunt living in Jacmel, or I have an aunt who lives in Jacmel. Okay, so ça c'est province, exemple. Maintenant, nous pourrons composer le 34-99-70-70-34-99-70-70 pour entrer en contact direct avec Teach Olesti. Not Teach Olesti English Time. Hein? Mot de passe, le mot de passe, the password is, remember, it's the spoken English reference on YouTube. The spoken English reference on YouTube. Et puis, on a composé tout le 42-99-06-76. 42-99-06-76. 42-99-06-76.
76. Teacher List English Time, hello. This is the first party at the show. La toute première personne à l'émission. Teacher List English Time, hello. Oh, I'm sorry. Communication coupée, malheureusement. Un pile profusion d'appels. Okay, Teacher List English Time, this is Once Afresh, your favorite English show. Somebody else is calling. Il y a quelqu'un d'autre qui appelle. Teacher List English Time, hello. Somebody else is calling. Teacher List English Time, hello. 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 Teacher List. Yes, Teacher, this is Teacher List speaking. So would you please, I'm sorry. I must ask you first whether I may continue in French or Creole or English. May I speak French or Creole or English? Very well. Okay, listen. May I speak French or Creole or English? I'm sorry. Okay, what language do you want me to speak? Quelle langue vous voulez me parler? English. Okay. How is this, Andrew? May I speak French or Creole or English? When you're like, you may speak English. I'm sorry. Ah, French, not English. Yes. Ok, French, le français, hein? C'est ça? Yes. Ok, écoutez, est-ce que tu parles anglais, non? Pas encore. J'essaie. Ok, d'accord, il n'y a aucun problème, mais sous peu, tu parleras anglais. Très bien, normalement, le nom c'est? Diana, c'est Félix. Ok, so where do you live? And where are you calling from? I am live in Haiti. Hein? Try to understand. Essaie de comprendre. Where are you calling from? Je ne parle pas vite. Where are you calling from? Hein? Répétez-vous pour encore, s'il vous plaît. Ok, d'où ça que tu appelles, hein? Where are you calling from? Hein? Yon bourse d'études ou besoin? Ok, donne-moi un mot de passe. Donne-moi le mot de passe. Hein? Le mot de passe de l'émission. Pas de problème, si vous dites le mot de passe, vous avez bénéficié de ça. Pas de problème. Bon mot de passe, parce que vous dites tout à l'heure. Comment? I'm sorry. Mais si vous n'avez pas de mot de passe, je n'ai pas de bon. Je n'ai pas de demi-bus. Ok. D'accord. Okay. Eh bien, le nom c'est qui? Dariana, c'est Félix. Ok. Eh bien, ok, pas de problème, Sophonie. Vous mettez passé dans OEA demain, si Dieu le veut, à n'importe où vous voulez. Dariana, c'est Félix, c'est pas Sophonie. D'accord. Ok, pas de problème. Il y a tant de là. Il y a suivi, il y a tant de dans OEA. Vous mettez passé demain, si Dieu le veut. Ok. N'importe où, d'accord, pour demi-boussa. Et qui va écouter radio là? Ou va suivre télévision toi en même temps? Carrefour Feuille. Eh bien, je salue tout le monde qui branche la télévision, qui suivent, qui regarde la télévision et Captain de Radio à Carrefour Feuille. Et je félicite tout le monde. Salut tout le monde, d'accord? D'accord. Et puis, prochaine fois, il faut bon mot de passe. C'est The Spoken English Reference on YouTube. D'accord? Bon, vous recevoir un autre monde. Bon, vous recevoir. Merci pour l'appel. Au revoir. OK. Teacher List English Time. Wow. Hello, somebody else. Hello. Okay, malheureusement, appel la coupé. Okay, Teacher List English Time, your favorite English broadcast. This is Teacher List speaking into the microphone. Teacher List English Time, hello. Teacher List English Time, hello. 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 Oh, speak up, please. Élevez le ton, s'il vous plaît. Montez-vous, parlez plus fort. Hello. Hello. Yes. May I speak French or English or Creole? Hello. Hello. I speak Creole. Okay, Creole. Ok, baissez volume radio là, bien font-il carte
Radio Pola, qui est beaucoup tôt là. Ok, moi besoin de mes bouches. Ou besoin de mes bouches? Oui. Ah, mais pas de problème. Si vous besoin de mes bouches, soit pas avec moi, un mot de passe. Dis mot de passe pour avoir une demi bouche. Hein? Le mot de passe, c'est quoi? Descend volume radio là ou bien quand on tient loin parce qu'il fait feedback. Il fait cacophonie, right? On a les noms, moi mot de passe. Hello? Hello? Wow, sorry, we've been cut off. Ok, et pour moun ki branche, si vous besoin de mi bous, pas de problème. Mais vous mettez bon mot de passe et puis vous avez de mi bous. Parce que t'es gain demi boost c'est gain rabais moi retirer yo donc pas gain m'a fait ça pour sous bambou de pas ça. Hello. 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 OK. Cut off. Somebody else. Hello. Hello. Teacher is English time. Hello. 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 Hello, hello. Yeah, teach honestly. Yes. How are you doing, sir? Great. What about you? Okay, I'm pretty good, through God. So, where are you calling from? I'm sorry? Where are you calling from? Pelerin number 4. Oh, Pelerin. Okay. Okay, good. So, my special hi to everybody listening and watching the show at the same time right now in Pelerin 5. All right, pretty good. So, so you're calling to ask a question or you have a suggestion or a piece of advice. So tell me what exactly you're calling. For a question. You're calling to ask a question. So I'm listening to your question. What is it? Okay, my question is about live or jewel. Live. Live or jewel? No, not jewel. Dwell. Dwell or Yeah, dwell. Or live. Live or dwell. Live, mm-hmm, and dwell, dwell. And dwell. Mm-hmm. So if I was born in this country, and I moved this country, how can I say that? Oh, okay. No, no. We're talking about a complete address. A complete address. Address. Yeah, complete address. The address is okay. Complete when you give the number, the dead end. It's like and pass the dead end, the street, the zone, and the column. You understand? Oh, no problem. A complete address. Okay, no problem. All right? Okay, thanks a lot. All right. That, no problem, sir. Thanks for calling. No problem. And keep calling, right? No problem. Congratulations on your question. It's a nice question, a very interesting question. Congratulations. Okay. Teacherless English time. This is your favorite English show. At the same time, your favorite English class, of course. In Haiti, the spoken English reference on YouTube. This is the password, right? Somebody else is calling. Teacherless English time. Hello? Yeah. Yes, hello. Hello? Hello, sir. May I speak English or French or Creole? May I speak Creole or French or English? Hein? Est-ce que je peux continuer en créole ou français ou anglais? Créole. Ok, créole. Qui boit ton radio ou qui quand on regarde télévision? Créole ou français. Ok, quand on regarde radio, qui boit ou regarde télévision, qui boit ton radio? Plateau central. Plateau central. Oh, ça fait plaisir. Je salue tout le monde, plateau central, net. Et je m'appelle plateau central. Ça fait un plaisir. Salut tout le monde plateau central. Même laissez pas, n'a pas beaucoup tôt, mais tout le monde plateau central profite salut et félicite autour. Pardon? Hello? Oh, il y a communication avec mes amis tellement bien profite d'appel. Ok, où là? Il est là. Oui, les amis Pam. M'attendez non, soit dit. Reprenez pour moi. Ok. Mais concernant nos business que moi concernant nos business soit premier message ou sauter sur le téléphone ça. Ah ok 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 ma premier message ma besoin de message sur numéro
sous 34 99 70 70, ça il y a après ça ou même après colmon qu'on est pas tout bagarre. On comprend, on comprend. Pas gain problème, pas gain problème. Pas gain problème. En tout cas, même si au plus tard, même les plus tard, peut-être ça qui arrive, m'a très occupé. Même les pas plus tard, mais demain matin si je le veux quand même et m'a je réponse à partir de 7h. D'accord, on y va. No problem, teacher. Okay, all right. Pretty good. So anyway, bien content relé et puis normalement m'attend nous où était au plateau central là loin, ça veut dire m'pap ka invite ou vinn font ti suivre club là avec mon vendredi 10h midi ou bien 4h 6h. Wow, plateau central là on est loin mais pas droit tout ça, même qu'on vinn Delma tout parce que il a me levé. OK. Et puis seule bataille. Oh, ah, mon cher, ça fait plaisir. Qu'on y a loin, malheureusement. Ok. Mazoura qui réclame et pas de moi. Ok. Avec pas moi. Bon, bagay, n'exeye. Même si elle blague, n'exeye. Même, OK, venek même de pou pa être même les bouboule. OK. Ça OK, pas un problème. Là dit na ou tout écrit pour écrire bouboule là tout. OK. Et mais pas un problème bouboule. En forme. Non, va pour nom qui le Chrysler Joseph. OK. Pas un problème zami pam. De pou zami mazoua zami mouye tout. Pas un problème. OK, donc somebody else, quelqu'un d'autre. Donc teacher is English time. Quelqu'un d'autre en ligne. Hello, teacher is English time. Hello. Hello. Yes, sir. May I continue in Creole or French or English? French or English. Huh? Hello. I speak English. Oh, you speak English? But I speak English not well, not bad. Not bad. Okay. You want me to continue in English or French or Creole? I can't speak. Okay. English. Est-ce que je dois continuer en créole ou français ou anglais? What? Creole. Okay. Qui boit quand de radio ou regarder télévision ou bien regarder YouTube actuellement? Bon, na Cité Soleil. Oh, Cité, ok, Cité Soleil. Cité Soleil, c'est ça? Oh, malheureusement. Eh bien, m'bat bien, mais comme si m'bat de Cité Soleil là, mais salut tout le monde Cité Soleil qui branché. Et puis, bon, m'a festé autour parce que ça n'a pas gagné longtemps d'a festé Soleil, puis c'est bien saisi, ouais, ça. Et bon, très bien. Yo bien encadré moi, etc. OK, teacher is English time, hello. English time, hello. Descend volume radio là ou bien faut-il caper loin radio ou bien télévision, s'il vous plaît. Hello. Oh, sorry. Teacher is somebody else, quelqu'un d'autre. Teacher is English time, hello. Hello. Yes, hello. May I continue in English or French or Creole? And French. I'm sorry? Yeah. Okay, may I speak French or Creole or English? I choose the French. Oh, French. Okay. D'où est-ce que vous écoutez la radio? Adelma 2. Adelma 2. Okay, très bien. Félicitations. Et le nom, c'est qui? Alors, c'est pas la radio, je regarde la télé. Ah, c'est la télé, d'accord. Très bien, mon cher. Je porte quelle chemise? Quelle la couleur? De ma Pardon? Chemise. La couleur de la chemise que je porte. C'est jaune. Oh, très bien, mon cher. très bien. Donc, normalement, vous appelez pour participer, pour poser une question ou je sais pas, vous avez une question ou une suggestion, un conseil quelconque. Parce que j'ai petit niveau en anglais, j'ai besoin d'approfondir mon étude en anglais, j'ai besoin d'avoir une bourse ou demi-bourse quelconque. OK, donnez-moi le mot de passe.
Non. Écoutez, je viens de travailler, maintenant je viens de rentrer à la maison. Donc, je ne sais pas le mot, je ne sais pas. Ok, je comprends. Donc, c'est la toute première fois. C'est la toute première fois. Donc, vous n'avez pas l'habitude de suivre, de nous suivre, non? Alors, peut-être, non, je ne sais pas, parce que je viens de rentrer. Ok, je comprends. Oh, donc, c'est votre première participation, hein? Pardon? C'est votre première participation à l'émission. Je n'ai pas entendu, s'il vous plaît. Ok, est-ce que c'est votre première participation à l'émission? Oui, la première. Donc, vous regardez l'émission pour la première fois, c'est ça? La toute première fois? Oui. Eh bien, d'accord, je comprends, il n'y a aucun problème. Eh bien, je peux vous, normalement, vous pouvez avoir une demi-bourse, mais ce n'est pas une bourse, une demi-bourse complète. Ça veut dire sur tous les frais, même sur les frais d'inscription. Eh bien, d'accord. D'accord, mon cher, il n'y a aucun problème, vous passez à l'école demain, parce qu'on vous suit là maintenant à l'école, actuellement. Eh bien, donc, vous y passez demain matin à partir de 7h. D'accord? C'est pas important de donner mon nom? Pardon? Non, c'est pas nécessaire parce qu'on vous suit là, on vous écoute, on vous suit également. C'est-à-dire demain, je vais passer. Demain à partir de 7h. On ouvre de 7 à 6h chaque jour. Eh bien, d'accord. D'accord, mon cher. Merci d'avoir appelé. Au revoir. D'accord, je vous en prie. D'accord, bye. Teacher, it's English time. Il y a quelqu'un d'autre en ligne? Quelqu'un d'autre? Somebody else on the line. Hello. 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 Yes, sir. Where are you calling from? Mes amis, turn down. Baissez volume récepteur là, please. We're fronting up loin là, ok? Hein? Yes, sir. Speak English or French or Creole? French or Creole. Hello? Okay. Hello? Baissez volume radio, d'accord. M'entendez, vous dites parler Creole, pas de problème. Fronting baissez volume radio. Hello? Hello? Hello. 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 Oui, hello. Speak English or French or Creole? Hello. Yes, sir. Speak. Ah, what is Creole? Creole. Qui boit ton radio? Good afternoon. Qui boit ton radio? Good afternoon. I don't hear you clear. All right. So, you want me to speak French or Creole or English? English, pretty good. So, where are you calling from? I am calling from Delma. Okay, calling from Delma, but which Delma? It's up or down or the middle of Delma? Like 60. Oh, Delma 60. That's up Delma. Pretty good. Okay, so would you please tell me who's calling, please? May I know who's calling, please? Okay, so I am an English speaker. Okay, you an English speaker. Yeah. You mean a translator or an interpreter? No, I'm just a simple man. All right. You just know how to speak English. I understand. Yeah. I've been learning English for 3 years. Okay. Pretty good. And you're still studying English, right? Yeah. Okay. My biggest dream was and is still to be in your school. Okay. So I don't have problems speaking English. You have no problems to do what? I don't have problems speaking English. I understand. I speak English. Understand. Okay. So, uh-huh. I want you to offer me something. All right. So tell me. So tell me. Okay. Tell me exactly. That's what I want to know. So tell me exactly what you're doing. Okay. So I love teaching English. I tried. I don't feel, understand, but I'd like to have more details, to have more methods, understand? All right, I understand. So, what would you like to? So, tell me exactly what you want. You want to speak English better? You want to improve your English? You want to teach English? Tell me what you want exactly. What you want to do about English? I want to speak English better, understand? Oh, you want to improve your English. So, what do you want me to do for you? To give you you need an advantage, yeah. Right? You say? You need an advantage. I don't hear you. Please. Oh, so do you need an advantage? Yeah, an advantage. Oh, you need an advantage. All right. So you need a half scholarship. You say something? You need a half scholarship, right? Sure. You just cool. You understand easily. Huh?
Okay, no problem. So, tomorrow, so did you hear me speaking with a guy a little while ago? Just come to the school tomorrow at 7 or from 7 onwards. You see? 7 in the morning? Yeah, 7 in the morning. So, no, you don't need to come at 7. So, the school normally works from 7 in the morning to 6 in the afternoon. So, you can drop by meanwhile, okay. Right? So, can I say something too? No problem, you may. I'm not working. Understand? I'm not working. I just love English. I just love English. Okay. English is my passion. All right. And I want you to do something for me, okay? I'll get down tomorrow. Okay. I hope that you're going to do something very special for me. And I think that you're going to use me. You're going to use my skill. Understand? Okay. Okay. I know that you are understood. Okay. So that's clear. No problem. I understand. So tomorrow, I look forward to your coming over, right? Mm-hmm. Come tomorrow. From 7 to 6 in the afternoon, right? Okay, so can I leave my number or my name? No, you don't need to. Just come, and then everybody's watching you right now. Everybody's listening to you. Everybody's listening to you at the school, right? Okay, no problem. It was a pleasure and a privilege to hear my director's voice. Like okay, no problem, voice. No problem. All the pleasure's mine. Okay, it was another fun. Okay, thanks for calling and catch you tomorrow. Okay, see you. See you tomorrow. Right, bye. Yeah. Thanks for calling. Well, teacher, this English time, Matavi. Teacher, this English time. Hello, somebody else? Hello? Hello? Yes, hello. Speak English or French or Creole? Creole. Oh, Creole. Why not English? Why not English? Huh? Huh? Mes amis ont belle voix comme ça. Voix ça pas même semblé. Bah ça voix ça puisse sembler anglais, oui. voix ça puisse sembler anglais. Mais ça m'a fait pour comme moi son belle voix depuis belle voix ça au grand pile comme. Mais ça m'a fait pour m'a pris $1 pour sur tout frère, vous entendez? C'est bon $1 non besoin pour retirer pour moi. Comment même ça ba moi demi bourse ça ba. T'es chargé. Bon, mes amis, ce qu'on est passé, l'ovini va prendre ma main si et gaz net, m'utilise génératif. Ça lié, transformateur zone n'est pas bon. Qu'on y a tout, on a souffert. Ou qu'on est futur directeur, futur beau, je sais pas, car on a prise, petit prise courant. Et gars, qu'on y a là, on n'a pas besoin de génératif 24 sur 24, Delco. Et bien, pas de problème, m'a fait ça pour ou besoin de mi boost pour yon pour petit tout. Et c'est sûr que staff la branche là dans l'école là actuellement y a attendé. Est-ce que moi met ba ou non moi? Non, y a attendo là, y a attendo dans l'école là, pas de problème, y a attendo ou met vini ou vini avec ou ap ka vini petit toi demain si je veux. Non, m'a pas vini avec parce que l'école. Ah mais pas de problème. Demain si vous met vini parce que y a attendo là. Ou met vini demain si je le veux. D'accord. Et puis on seul bagay wap anek di, et puis yabdou, kon sa pou fè? Tout moun ki branche la, kap suiv mwen, soit kap tande nan radio Storm 106.5, ou bien kap suiv mwen sou chaîne 2, men sa nan fè demain si je veux. Et sa kfou wè ou mande mpoum bon, ou pou bam non, wap wè nou mdi nou non, parce que li plus simple que ça. Ou pa besoin bam non, wap pè du tout ap tande ou ale. Pendant, staff la ap tande ou la ap suiv ou, ou même tout qui soit fait dans ce ville aller ou apprendre on seul grande question apprendre poser apprendre du qui rade qui était sur moi qui coule chemise joyeux amis so dit chemise jaune qu'on y a ou même au cas où c'est radio attendez y a apprendre mando tout simplement y a de tout simplement de qui ça m'a parlé ou dit adresse ça seulement attendez y a de qui ça me dit ou dit adresse ou bien ou cas ba un autre exemple ou cas dit ou cas de qui pense moi on te ou apprendre dit 1 Thessaloniciens 5 verset 16 ça seulement faut toujours en joie OK d'accord pas de problème à demain si je veux nous va c'est une femme à 6 heures d'accord tomorrow demain wow bon okay. Ça fait un plaisir parce que mon yo besoin pas l'anglais hein parce que tout job qui gagne dans figure vraiment yo mandé yo exige anglais OK quelqu'un d'autre en ligne hello Good afternoon. Oh, good afternoon. How are you? I'm fine, thank you. And you? Okay. I'm very well, through God. Where are you calling from, please? Tell me. What? Where are you calling from? So when you don't hear, you don't say what? Say sorry. I'm
calling from Corfu Feuille. OK, pretty good. So, bah, mouvant, petite parenthèse pour l'autre monde qui va connaître pas l'anglais ou captende ou qu'a comprendre et ça n'a pas partagé ensemble. Dès pour parler anglais et puis gon bagay moun nan di ou pas tande, pas di what di sorry. Okay? Sorry. Okay, yes. Thank you. Exactement. Non, c'est job moi m'do ça. Okay? Okay. Okay, that's my job. It's my job because I'm your professor. That's my job, right? So you're calling from Corfu Feuille. Oh, pretty good. My special regards to everybody living in Corfu Feuille. Pretty good. And would you please tell me who's calling? May I know who's calling, please? Steph Jean-Louis. Okay, Steph Jean-Louis. Pretty good. So tell me, please, what your occupation is. What's your occupation? What do you do? I love English, but I really don't know how to bettering my English. Okay, I don't know how to better my English. Yeah, but okay. can I continue in French? Okay, no problem. You may. Okay, et bon, j'ai des personnes aux environs qui peuvent m'aider, mais vraiment j'avais besoin d'une aide et comment je peux dire ça? Supplémentaire. Ok. Malheureusement, je n'ai pas d'institut. Hein? Malheureusement, j'ai une académie. Hein? Ok, d'accord. Et ensuite, donc, j'écoute l'émission, mais je n'ai pas vraiment saisi le mot, tout le mot de passe. Ce que j'ai vraiment entendu, c'est Let's Learn English on YouTube. Is that right? Ok, le mot de passe c'est The Spoken English Reference on YouTube. Ok. Est-ce que vous avez une plume? Une what? Plume. Non? Hein? Yeah, I have okay, it. Okay. Elle aime l'anglais. Okay, do you have a pen? Yeah, I do. Yes, I do. Okay, can you write it? I try. Okay, I'm trying. Okay, I'm trying. All right, pretty good. The it's like T-H-E. The, T-H-E. T-H-E. Uh-huh. The T-H-E. Spoken. S-P-O-K-E-N. Spoken. No, listen. The. T-H-E. The. T-H-E. Yeah. Okay. Spoken. S-P-O-K-E-N. S-P-O-K-A-E-N. No. S-P-O-K-E-N. Okay. Okay. The spoken English. Can you write English? That's easy, right? English, it's capital E, capital E. It's like E majuscule, N-G-L-I-S-H. Yeah. The spoken English reference. Now, you write reference. It's like reference in French. Reference. Okay. R-E, F-E-R-E-N-C-E, reference. On, O-N. YouTube. You. Okay. Y-O-U and tube, right? T-U-B-E. This is easy. Okay. So the spoken English reference on YouTube. Okay. Pour ceux qui ne connaissent pas l'alphabet anglais, qui ne parlent pas anglais, je vais appeler ça en français. The spoken English reference on YouTube. The, it's like T-H-E. Spoken, S-P-O-K-E-N. English, E-N-G-L-I-S-H, avec le E majuscule. Reference, R-E-F-E-R-E-N-C-E, comme en français, référence. Et puis, on, YouTube, Y-O-U-T-U-B-E. The spoken English reference on YouTube. C'était la toute dernière personne à l'émission. It's time, it's going to be 4 o'clock. It's time, so I have to leave you. Goodbye. So, do you have a question? Oh, what do you want? Je voulais avoir une bourse. Une bourse. S'il vous plaît. OK, passez à l'école demain, si je le veux, à partir de 7h du matin, d'accord? D'accord, merci, bonne fin de journée. Je vous en prie, on ouvre de 7 à 6 heures.
OK? OK, d'accord. Au revoir. Bonne fin de journée également. Au revoir. Bye-bye et à demain. Donc, c'était Teacherless English Time. That was Teacherless English Time, your favorite English course in Haiti for the time being and the spoken English reference on YouTube. This is Teach Olis, your favorite English professor. So, goodbye, Haiti, and goodbye, world. Goodbye. Goodbye, everybody. Bye bye. And catch tout pays d'Haïti t'a demandé go teach your lesti passé. Eh bien, teach your lesti professeur anglais PIA, docteur Panouan is back pour la plus belle. Pour venir mettre précision sur tout le monde, quel que soit niveau anglais. Are you sure, Mazoua? Yes, sir. Tout le monde, branchez teach your lesti English time sur Storm TV, chaîne de chaque mardi et jeudi, 3h, 4h après-midi. Même Jean Blanc qu'on fait l'autre bord avec sur internet là. Très pratique pour tout le monde qui besoin qu'on parle anglais très bien avec 7 aspects: usuel, technique, commercial, biblique et théologie. Et puis, pas oublier anglais américain et britannique, oui, en pontisson. Teach, speak to the world. No swell on our bag in the world for English, for sure in the world, for the world, for willing, sure and for good. Mes amis, pas qu'il fake là, non? André de Teach, non. 34 99 70 70 34 99 70 70 Teach Olesi, c'est seul professeur anglais. L'État ici était médaillé en or et en argent à toute l'école li OEA pendant l'archive nationale d'Haïti. T'as fêté en 2012 et c'est l'ico original là. You know what I'm saying, baby? OEA, Listen English Academy, la référence de l'anglais parlé en Haïti. Niveau d'anglais national et international, doté de la méthode d'anglais américain et britannique la plus pratique.